Mardi 24 juillet 2012, il est approximativement 9h15. Petite vidéo destinée à mon garçon qui aura bientôt 6 ans, Evan. Donc voici ta première leçon de sciences naturelles. Evan, voici un bébé grenouille. Ben mince alors! Non, ce n'est pas un têtard comme tu as déjà pu voir dans les aquariums. Ce n'est pas les grenouilles non plus comme tu peux voir dans l'herbe au bord des étangs. Donc voilà, un bébé grenouille qui est en phase de transition, j'ai envie de dire, entre le têtard et la grenouille. Donc tu peux voir Evan. Il a toujours sa queue, donc la petite queue de têtard hein, qui lui permet de se diriger dans l'eau. Mais si tu regardes bien de plus près, désolé, la qualité de la vidéo n'est pas top, c'est depuis mon Android. Donc tu pourras voir qu'il a quand même déjà des petites pattes qui lui sont poussées. Bientôt il perdra donc la queue, il sortira de l'eau et il sera devenu une bonne grosse grenouille. Voilà, désolé de ne pas te montrer plus, Evan. J'aurais bien voulu qu'il bouge un petit peu plus pour que tu vois comment il se déplace. Ah, voilà, avec sa queue, tu vois, qu'il ondule. Voilà, donc cette eau, bien sûr, ce n'est pas une eau du robinet ou une eau minérale. C'est une eau qui a été prise directement dans le bassin où il a vu le jour. Voilà, c'était la petite leçon de sciences nat. T'en auras encore plein d'autres à voir. Gros bisous mon garçon.